Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem. On a l'Akba Omer Bezrat Hashem ce soir. La grande joie de, de... l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai il dit que c'était cette coutume de, de faire la fête, de multiplier la joie de ces jours-là qu'on on dit pas de Tachanon. Donc, Bezrat Hashem. Ça commence de, de ce soir jusqu'à jusqu demain soir, Bezrat Hashem. Donc, en fait, toute la semaine qu'elle qu inclut l'anniversaire de Tzaddik, c'est une semaine avec beaucoup, beaucoup de ségoulottes de et surtout, surtout les, les jours d'anniversaire. Donc, Bezrat Hashem, on peut arriver à atteindre, des, avec les mairies de Tzaddik, on peut arriver à, à des niveaux spirituels très élevés ces jours-là. Mais c'est vrai que il dit que c'est bien de... de faire une petite et comme on dit, préparation. Ça veut dire que le dit, « Bon, on Baba Batra, « Ça veut dire, que... « Venez, on fait une calcul. » On va analyser un petit peu notre action. Et je vais regarder, je vais parler quelques minutes la Shonara. Je me suis lâché un petit peu. Et maintenant, quoi? Regarde, si tu as pu voir les comptes, qu'est-ce que tu vas payer pour ça, ça veut dire Efsed Mitzvah Kenegetzhara, Efced Avera Kenegetzheda. Khamim, il dit Regarde ce que tu perds avec une Avera, et regarde ce que tu gagnes avec une Mitzvah. Donc, l'homme doit toujours vivre avec une manière d'analyser toutes ses actions, ses paroles, et la manière que. Il se conduit. Il faut être quelqu'un qui est derrière soi, pas se lâcher complètement. Vous savez, il y a une chose que, qui s'inquiète énormément et les Yitzharara. Les plus grandes armes que tu peux abattre le Yitzharara, c'est le jour que tu commences à se calculer. Tu te prends, bon, les Tzadiki, ils restaient inor, avec une grande et de doute. Ils s'analysaient à la millimètre près toutes leurs actions. Mais si on arrive à faire cinq minutes par jour, ça veut dire que les etsara, les jours que tu vas commencer à s'analyser ce que tu fais, tu lui donnes un échec. C'est quoi l'obscurité C'est vivre sans, sans aucun calcul. Tout, comme on dit, en désordre total. La lumière, c'est commencer à analyser, à regarder mes actions, à calculer mes actions. Ça, c'est la lumière. Donc, Khachamim, il dit d'Afka il euh, faut pas croire que l'obscurité, c'est quelque chose qui doit nous faire peur. D'Afka, dans l'obscurité, t'achètes rocher veille là et là. Ça veut dire que cette montée, il ressemble à la nuit. Mais la nuit, il faut savoir que d'Afka, des nuits, on peut atteindre des niveaux de, de gvoura, des de forces. et vous savez on dit que celui-là qui a ses actions qui sont beaucoup plus nombreux et de comment on dit des de, de celui-là d'Afka lui qui il a une grande, une grande action mais pas beaucoup de sachoukhma tous ces sa ils se réalise. ça veut dire que il faut savoir qu'il y a des gens qui ont beaucoup de rochmot, beaucoup de sagesse, ils parlent beaucoup, mais dans les actions, ils sont très, très, très pauvres. Mais il faut savoir que c'est avec pas les sagesse que tu vas conquérir ton Yitzharara. Le but de toutes les sagesses, c'est les tchouva et les massim tovim. Ça veut dire que nous, aujourd'hui et chaque jour, on cherche des conseils. Qu'est-ce qu'il nous dit Ça veut dire fort que tu mets ton épée et tu sors à la guerre. Le secret de toutes les choses, secret de Ezou Giborakov c'est qu'il est fort, c'est celui-là qui conquérit son Yetzer. Vous savez, il y avait un roi qui cherchait un pour sa pour sa princesse, pour sa fille. Et il a annoncé qu'il y avait au moins 200-2000 candidats. Il a dit, bon, il faut faire une sélection. Bon, maintenant, tout le monde va envoyer un petit CV. T'es arrivé à 1000. Après, il a dit, bon, 2000, qu'est-ce que je vais faire avec 1000 Il faut encore envoyer, sélectionner. Ils ont arrivé à 100. Bah sauf, bah sauf, bah, sauf ils ont choisi 10. Il a dit la vraie. Vraiment, les dix sont magnifiques tous, je ne sais pas comment choisir. Regardez, ma fille, elle est à l'intérieur de cette muraille. Maintenant, les murailles, elles font presque dix mètres de, de longueur autour de tout, et, et comme une petite village. Et là-bas, à l'intérieur, ma princesse, ma fille, elle s'assoit. Essayez maintenant, celui-là qui arrive à rentrer à l'intérieur, c'est lui qui va se marier avec ma fille. Bon, chacun commence à dire, si essayé de monter, il essaie de monter, il glisse, il tombe, il casse son pied, l'autre aussi. Après, il dit, bon, on va essayer de, de, de creuser, il voit qu'il y a plein de béton, chacun les hâte, les il tombe, il tombe, un après l'autre. Restez un, le dernier. Comme ça, il analyse, il réfléchit, il dit, c'est pas possible. Si le roi, il a dit qu'on peut rentrer, c'est qu'il y a une manière de rentrer. c'est pas possible. Il va pas nous donner une mission impossible. Comme ça, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Puis Tom il commence à courir, à courir, à courir, il rentre dedans, les murailles. Finalement, il voit qu'il a traversé les murailles. C'était quoi C'était une fausse muraille. C'était quai du carton. c'est pas été des béton Chachamem, il dit, comme ça l'est, il est champion de te donner de imaginations. Il te donne l'impression qu'il est impossible de conquérir. C'est impossible que tu vas arriver. Et il te donne des imaginations, que l'imagination à la base, elle est très très bien. Chachamem, ils ont arrivé à des niveaux très élevés avec l'imagination. Mais une imagination. Au but constructif, pas une fausse, une vraie. Ils ont grandi. Mais les c'est l'imagination des fausses. Maintenant, c'est quoi notre travail à nous Que qu'avec la Gvoura, l'homme peut conquérir son Yetzer. Pas avec une sagesse. c'est pas important comme ce que tu connais et que tu connais par cœur 400 000 livres. C'est avec la Gvoura. C'est quoi la Gvoura C'est d'être fort. Ezeu Gibor. C'est qui le Gibor et ça, c'est le secret de cette monde-ci, qu'on appelle cette monde Olam Anissayon. Et le saut le secret de Gvura, tu mérites d'Afka à travers des Inissayon. Ça veut dire que toute la vie, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, c'est Inissayon. Tu passes, ok, on passe à une autre étape. Tu n'as pas passé, on recule encore. Tu as passé, on passe, on grandit. Première, deux, trois, quatre, à l'infini. Mais bassof, bassof, il m'racham ta Ve im qu'est-ce que tu vas lui donner Donc, tu es devenu sage, le plus grand sage du monde. Qu'est-ce que tu peux en rajouter ou enlever quelque chose à Hachem Et si tu vraiment ta raison était grande grands du monde, qu'est-ce que tu peux rajouter à Hachem Tout ça, c'est pour toi. On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, pardon, à l'éloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, énormément de secrets sont dévoilés à lui. À l'éloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Et les dechemed qui étaient une de chokhmah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets, comme des fleuves sont dévoilés à lui, au jour de l'éloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, bezrat que on essaie de de grandir, et de, de s'élever, et de savoir que je peux concourir cette erreur. Il me suffit juste pas être comme un aveugle qui marche dans les dans les Vous savez, les théomes, c'est les vides, mais c'est aussi les, les 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 mêmes lettres des mots maout, de essentiels de la personne. Ça veut dire que même les tzadikim, ils marchent à côté d'une théom, à côté d'une vide. Mais eux, ils ont 400 000 yeux sur leurs actions. Alors imaginez-vous quelqu'un qui marche à côté d'une vide, une, une, une théom, et il analyse pas ses actions. Il, il analyse pas ses paroles. Donc, il y a des gens qui se réveillent, mais quand ils ont déjà tombé dans le trou, ils disent Ah, ma, je suis dans un trou, qu'il fait peut-être 30 mètres, comment tu vas sortir mais si tu aurais réalisé avant, tu n'aurais pas tombé dans les trous parce que tu analyses constamment tes actions. La plupart des temps, on réagit face à un résultat. Mais la Torah, elle vient et te dit Attends, laisse le résultat maintenant. Tu peux éviter tout ce résultat. Il faut simplement que tu t'analyses non-stop tes actions. Si Khamem, il dit que la Shonara, ça ramène beaucoup de balagan dans ta vie, pourquoi tu, tu te laisses aller si tu sais que de, de cette association que tu fais X, Y, Z, ça va te donner quelque chose de pas bien. Pourquoi tu le fais quand même Ça s'appelle analyser nos actions. Ce que le nous dit non-stop. Venez b'ezrat on prend 7 jours kadosh, 7 soirs, 7 jours de ce soir jusqu'à demain b'ezrat toute la semaine, surtout demain, de grandir, de s'élever, de, de travailler sur nous, de Combattre cet Yitzhara qui a plusieurs noms. une des noms qu'on appelle Son Echa, qui te donne l'impression que ton ami te déteste. Il réveille en toi aussi une haine pour ton ami et qui te donne des yeux d'acquiser le monde. Toute la journée, tu dis la coltée, j'aime mon prochain et tout, mais quand tu rentres dans un endroit, tu t'énerves sur tout le monde, tout le monde, tu commences à critiquer. Ça, c'est Yitzhara. Parce qu'au fond, au fond, au fond de nous, on aime chacun. L'homme, il est, il est bon. L'homme, il aime aimer tout le monde. Il aime bien être bien avec tout le monde. Qui, c'est qui nous fait tomber chaque fois, c'est les Donc, faut calculer. Tu veux la battre, calcule. Ne laisse pas dans les désordres. Mon cher il, il s'emballe la du le les ordre, tout par ordre. Par ordre, à col paroi. C'est le même lettre des désordres. Lui, c'est la tombe la toum, les tout attaque quand tu es dans une balagan total. Tout est désordre, tu n'es pas organisé. Mais pour être organisé, faut la Ça prend le temps que ça prend. Je commence à m'organiser. Je commence à analyser. Je commence à voir comment je parle. Qu'est-ce que je mange Comment je mange Comment je m'habille Avec qui je parle Il y a des gens que peut-être ce pas à maman d'être avec eux, peut-être c'est une influence pour toi. Et comme ça, toute ta vie, tu fais attention. Tu pètes à côté d'un super eh, vide, comme on dit, es homme, mais tu es prudent, tu marches, tu fais très attention, comme les tzaddikim. Donc, Bezrat Hashem, qui a Kadosh Baruch Hu nous donne chef de d'élévation spirituelle, Bezrat Hashem. אין בון פד אלא כבו אומר אטולמון בעזרת השם.